Et bonjour à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le deuxième épisode de Two Point Campus, sachant que la dernière fois je m'étais arrêté sur les 2 étoiles du premier campus, hein, donc ça s'était plutôt bien déroulé. Là d'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que pour l'un de ses devoirs, il avait besoin d'un laboratoire de sciences. Est-ce qu'on lui accorde? En vrai, on verra ça plus tard. De toute manière, aujourd'hui, je vous l'avais dit, on va passer directement sur le deuxième campus. Avant d'y aller, je voulais juste vous montrer un truc que j'ai remarqué. Hop, regardez. Cette année, on a donc bah, le planning. Je trouve ça assez stylé de voir que, voilà, amphi 1, il y a tel cours. En fait, il y a 2 cours de sciences en même temps dans les 2 amphis, plus le labo de sciences ici en même temps. Et les autres, la VR, ils font que du. Ah, mais le foyer étudiant. Attendez, parce que le foyer étudiant, il est mis ici, mais il n'y a pas de planning. Genre, on peut créer un événement, ça se trouve, on pourra créer des choses, des events ou quoi dans le foyer plus tard? Peut-être. Tout ça pour dire que voilà, on voit un petit peu qui utilise quel amphi et tout, je trouve ça assez marrant. Et ce qui est surtout pratique, ça que je vais vous montrer, c'est qu'on voit l'an prochain. Regardez. L'an prochain, on voit qu'il va nous manquer bah, justement certains cours. Notamment ici, par exemple, on nous dit bah, le cours de sciences. Antisocial, voilà, scientographie, il ne pourra pas avoir lieu parce que au moment où il faudra le faire, eh bien, il va manquer un amphi. Donc, il va falloir que j'achète un nouvel amphi, très certainement. Et là, bah là, ils nous disent, regardez, il y aura trop de cours en même temps. Du coup, il va nous manquer un pédagogue, donc un enseignant pour ce cours-là. Voilà, donc il faudra que j'embauche aussi en plus. Donc, c'est sympa de voir aussi le planning de l'an prochain puisqu'on aura des élèves en plus, voilà, pour les nouveaux premières années et les autres qui vont passer en troisième année. Donc, ceci étant. Comment je sors de là? J'avais jamais utilisé cette vue d'ailleurs. Elle peut être pratique éventuellement, mais bon. Moi, je veux retourner sur la carte. Alors déjà, je vais sauvegarder au cas où. Et je vais retourner sur la carte. Ouais. Ouais. Deuxième campus, les amis. Alors. Piazza Lanatra. Let's go, hein. C'est quoi ce campus par contre? Ah, et là on peut voir les autres qu'on va débloquer, regardez. Obtenez 1 étoile à Miton University. Celui-là, c'est celui que je viens de débloquer. On a quoi d'autre? Lui, c'est Miton University, donc il faut avoir obtenu 1 étoile à Piazza Lanatra, c'est celui qu'on va faire. Donc on a l'ordre, on va faire lui. Ensuite lui là-haut. Ensuite lui en bas. Et à mon avis, lui, il va nous débloquer Poudlard. Hein. Noble Stead. Ah lui on le voit même pas dites-vous donc ouais c'est même pas encore de suite. Enfin je pense que c'est lui hein, Poudlard je pense qu'on pourra le faire après. Ah là là ouais c'est pas pour de suite hein. Après les chevaliers je sais pas c'est peut-être lui hein. Vu les trucs là je pense que ce sera lui celui des chevaliers dont j'avais parlé. Ah mais c'est marqué. Tradition de la chevalerie. Trop bien. Bon allez je suis désolé hein. Je suis comme un enfant je m'éparpille je suis tellement en mode c'est trop bien. Servez des plats primés et aidez les étudiants culinaires face au péril de la cuisine gastronomique. Ok, donc là on va tenir un campus gastronomique. Ok. Ok, on pouvait s'y attendre avec le nom, pourquoi pas. On reste sur quelque chose, on va dire un domaine encore typique, plus ou moins. Assez basique par rapport aux autres trucs qu'on risque d'avoir plus tard. Mais c'est sympa comme ça qu'il y ait des thèmes en fait par campus. Moi j'aime trop. Et en fait, ce qu'il y a de bien, c'est que même bah, le premier campus, on va y retourner plus tard, et ça se trouve, on va débloquer bah, plus de formations et tout, en restant dans le même thème. Mais voilà, il y aura pas mal de formations en fait à débloquer dans chaque campus, quoi. Par contre, c'est long là. Ah, si je fais échappe, c'est bon. Ok. Donc, la gastronomie, admission d'étudiants, 10. Mais est-ce que la gastronomie. Parce qu'en fait, je vais la débloquer ici, la gastronomie, mais est-ce que je vais pouvoir la rajouter sur mon premier campus après? Si j'y reviens, peut-être qu'il y aura un délire aussi comme ça. Bon. Ok. On veut un amphi, une cuisine salée et pédagogue gastronomie. On retourne en mode sérieux là. Alors juste, attendez, il y a un truc que j'aimerais comprendre. Le campus, il est où là exactement? C'est que ça? Ça m'appartient ou pas? Ça, je vais pouvoir l'acheter. Ça aussi. Ça aussi. Ah, mais je vais pouvoir tout acheter là? Ah! Non mais attendez, ça va être immense si j'achète tout par contre. Ok, ouais, ça peut faire un truc stylé. Ok, bon, très bien. On arrive ici, donc on veut un premier campus, on a dit.
Ah, c'est ça, regardez, j'ai toujours toutes les salles que j'avais avant. J'ai toujours la réalité virtuelle et tout ça, mais là en plus, on a la cuisine. Bon, ici c'est la spécialité, donc bien évidemment, c'est ce qu'on va faire. On va pas s'embêter avec le reste. Alors, où est-ce que je vais faire la salle cuisine salée, par contre? On va un peu ordonner, je pense. Là, on va mettre tout ce qui est bah, justement les salles de cours un peu spécifiques. What? C'est une 6 par 6 qu'il faut. Ok. Voilà. C'est quoi ça? Super chef. Ok, on verra après comment ça marche, ces machines. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Ah, mais c'est genre c'est une grosse marmite, leur truc, ou... Je m'attendais pas tout à fait à ça en premier item, hein, je vous avouerai. Faire un truc comme ça. On va les mettre bien, hein. On va régaler dès le début. Quoique, l'argent, j'ai pas énormément. Mais d'ailleurs, l'argent, est-ce que j'ai le même argent que j'avais sur ma première partie? Est-ce que c'est de l'argent en commun? En vrai, ça sert à rien d'en avoir mis deux de ça, je pense. Ma souris, pardon. Mais ça, je veux le revendre. Comment je revends? Je sais l'enlever quand je suis à l'étape suivante, mais pas à cette étape. Je l'enlèverai après, c'est pas grave. Donc on va mettre ça là. Ouais, même au niveau du placement, c'est pas la folie. Alors, attendez, parce qu'à chaque fois, je prends pas le bon item. Donc lui, on va vraiment le coller le plus possible là-bas. Ça, on va enlever. Il faut vraiment que ce soit contre un mur, par contre. Tac. 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 Ça me plaît déjà un petit peu plus. Ok, pourquoi pas. On est arrivé à 3. Je pense que je vais m'arrêter là-dessus et on va upgrade un petit peu plus tard. Et ça, voilà, je vais revendre. On va faire un amphi directement. Amphithéâtre. L'amphi, je voudrais le mettre plutôt à droite. On va en faire plusieurs de cette manière. Bon, les gens vont faire un petit peu de marche au début, hein, mais... Je sais pas, je vais le faire comme ça. Je vais vérifier la place que ça prend. Tac. Ah ouais, j'ai vu un peu large quand même. Alors, ça c'est bon. La porte là. Placement de tableau, on va mettre ici, c'est pas grave, on va revendre la vue vers l'extérieur, là, la fenêtre. Petit tableau comme ça. Ouais, non, ça fait pas super bien ici, c'est bizarre. Ok, la petite plante. Pour le moment, on peut faire ça. Attends, tu sais quoi? Tu sais quoi même? On va déplacer ça. Ça, est-ce que je peux retirer ici? Ça passe là. Let's go. Parce que là, vraiment, j'avais tout ça pour rien. Ah, mais par contre, en modifiant ça, j'ai dû repasser niveau 2 en prestige. Parce que la taille de la salle impacte également sur le prestige. Et ça, c'est un peu chiant. La petite poubelle à côté de la sortie. Pourquoi pas, ça peut être pas mal. La petite plante, voilà, juste pour valider le prestige 3, bien sûr. On veut donner les moyens à nos élèves de réussir leurs études. Et donc ici, on a bien sûr l'enseignant qui est attitré. Alors, gérer les formations. Ajouter une formation. Ah ben voilà, là j'ai re le truc. Ah oui, mais bon. En fait, je vois pas les autres. Donc c'est ça, je pense que les formations, on va les débloquer au fur et à mesure des campus. Et ensuite, on pourra quand même les resélectionner même dans les autres, quoi. Mais bon, pour l'instant, on est là pour faire que des nouvelles formations. Confirmer. Retour. Ok, je peux rien faire. On va juste commencer l'année. Et c'est parti. D'après mon expérience, on tire davantage parti de plats insufflant joie et inspiration. Et c'est pareil pour les étudiants. Ok, niveau de campus, faut passer niveau 3. Donc, falloir rajouter des petites choses. Mais de toute manière, on a plein de choses à rajouter. On a plein de choses à rajouter. C'est même, j'ai envie de vous dire, par quoi commencer? Par quoi commencer, les amis? Par quoi commencer? En fait, j'aimerais bien, bah, à l'inverse du campus qu'on a eu la dernière fois, j'aimerais bien avoir une petite upgrade et pouvoir justement faire les résidences déjà à côté. Ça va me coûter très cher pour le début, je pense.
Vas-y, c'est pas grave, je le tente. Je le tente, les amis. Les élèves vont pas tarder à arriver. C'est marrant parce que je raisonne un peu comme le côté hôpital. J'ai envie de mettre, vous savez, l'accueil juste ici et tout. Alors qu'il n'y a plus besoin de tout ça. Oh, il y a des cuistots là qui arrivent. Let's go. C'est cool, c'est cool. Bon, les gars, je sais bien que vous allez avoir beaucoup de besoins au début. Je me doute. Est-ce que je mettrais pas même la salle de repos? Parce que là, c'est un très grand bâtiment quand même, hein. Je pourrais mettre la salle de repos aussi de ce côté-là, je pense. Bon, priorité pour moi, c'est la résidence universitaire. Les gens sont là pour quand même profiter un peu. On va quand même la mettre au fond. Oh, je pourrais faire une résidence de ouf. Oh, vous imaginez là? Là, j'ai plus besoin de le toucher pendant bah, tout le campus, hein, vraiment. Oh, j'abuse. J'abuse tellement, mais... Attendez, attendez, moi je veux une deuxième porte, hein. C'est pas fini. Hein. Attends, t'as vu la taille du truc? Ah non, pardon, c'est ça que je veux. Alors, de quoi j'ai besoin là? J'ai besoin... Vous savez qu'au début, je vais pas du tout mettre énormément de choses parce que j'ai pas d'argent en plus. On va mettre ces lits, puisque je les ai pas utilisés la dernière fois. Oh, attendez, c'est vraiment immense par contre. C'est vraiment plus grand que ce que je pensais. Parce que là, il faut vous dire, il y en a déjà pour 11 000 dollars. Là, je suis pas riche, hein. Parce que la partie d'avant, bon, j'avais de l'argent quand même. Là, il va falloir un petit peu de temps. Hein. J'ai vu vraiment beaucoup trop grand. Hein. Le prestige, les amis. Non, mais ça va nous aider pour plus tard, je pense. Au début, ça va être ridicule, mais je pense que plus tard, on sera tranquille. Il y aura juste à rajouter progressivement des choses. Ça va aller. Ça va aller, ça va être bien. Allez, je voudrais juste passer un level là. Hop. Non, c'est vraiment... C'est vraiment ridicule par contre. On va mettre les douches et on va mettre la salle de repos aussi. 120 000 dollars. À niveau du campus, ça y est. On va y voir, bonjour. Oh, les mecs qui baillent et tout. Les cours théoriques, ils aiment pas trop ça. Hein. Et là-bas, on n'a pas encore vu. Ça va être en octobre, je pense. Ça va être en octobre, je pense, la suite. Bon, là, ils sont obligés de marcher jusque là-bas, je sais, je suis désolé, les gars. Je suis obligé de faire une salle de repos assez vite, par contre, je pense. Salle de repos, je pense, c'est important. Par contre... Ouais, je sais, j'ai vraiment abusé. Faire une grosse salle de repos aussi, hein, écoutez. On voit tout en grand, ici. Je vais la faire jusque là, parce que je pense que je vais mettre la douche ici. Il me restera de l'espace. Je préfère même un truc en L si je veux, on verra. Tac. Pareil, hein, je vais aménager au fur et à mesure. On va commencer avec un petit truc et on grossira petit à petit. Encore une fois, il faut penser que je suis pas riche à l'heure actuelle. Non, ça je vais les mettre à l'extérieur, je pense. Ça je vais les mettre à l'extérieur, les amis. Faut que les gens mangent et tout. Mais tout le monde aura envie de manger et tout ça, donc je vais les mettre plutôt là. Clac. Tac. Tac. Faudrait que je... Ah, j'avoue que j'ai pas de côté extérieur là, si. Ça c'est chez moi, ça encore? Ah ouais, je peux essayer d'agencer ici pour qu'on ait un petit truc sympa. Deux trucs comme ça pour le moment. Il faut construire une salle de tutorat. J'aimerais bien quand même leur faire des douches avant. J'aimerais bien leur faire des petites douches avant. Il me reste 131 000 dollars. Hein. De quoi faire une petite salle d'eau quand même, je pense. Bon, franchement, franchement, qu'on vienne pas me dire qu'ils n'ont pas d'espace, hein.
Voilà. Allez, on a de l'hygiène, on a tout ce qu'il faut. Regardez, ils sont contents, ils sont déjà en train de discuter entre eux et tout. C'est sympa. Oh, j'ai oublié le foyer. Faut que je leur fasse le foyer ici, hein. Oh, j'ai déconné. 125 000 dollars. Franchement, ça va, les salles n'ont pas l'air de m'avoir coûté si cher que ça non plus. Est-ce que le foyer, je le fais déborder? Est-ce que je le fais venir jusque-là après? Franchement, ça fait déjà une belle taille, hein. Y a déjà une belle taille de foyer là à l'heure actuelle, hein. Ouais, non, il y a déjà une belle taille, hein. Par contre, j'aimais beaucoup le foyer que j'ai fait sur l'autre campus. Le côté, hop, on blinde avec tout. Et vous savez là où ça pourrait être intéressant? Ouais, bon, après, les salles, elles s'adaptent pas forcément. Mais justement, d'enregistrer des presets de salles pour pouvoir juste cliquer, hop, charger la salle et let's go, quoi. Le problème, c'est que vu que c'est pas les mêmes tailles de pièces ici, de toute manière, c'est quand même, je pense, compliqué de tomber sur quelque chose qui collerait à la perfection, quoi. On va mettre le mec là pour jouer à côté de l'autre qui va tirer aux fléchettes, comme ça, s'il se loupe, il va y avoir un accident. Justement, la fenêtre. Allez, ce sera pas mal. Il me reste 114 000 dollars. Franchement, ça va au final. Franchement, ça va. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut? Bibliothèque. Regardez-moi tous ces livres. Ouais. Tu veux une bibliothèque? Mais le problème, c'est qu'on me demande de faire beaucoup de choses. En fait, on me demande pas grand-chose. C'est moi qui ai voulu faire beaucoup de choses. La bibliothèque, c'est effectivement une bonne chose. C'est une bonne idée. Je pense que je vais la mettre vers ici. Je vais le faire plus grande quand même aussi que la dernière. Parce que j'avais eu besoin de beaucoup d'espace ensuite pour l'améliorer. Un truc comme ça. Tac. Belle bibliothèque. Le poste informatique, je vais en faire genre deux ici. Un petit truc d'archive là. Non, c'est pas l'archive, ça, c'est un truc de lecture. Voilà, les archives vers ici. Attendez. C'est une réception que j'ai refait. Ah, je me disais bien aussi qu'il y avait un truc qui allait pas. Les archives, c'est ça. Ça, je supprime après, comme d'hab. Il fait pas un truc qui prenait un peu de place, là? Ah, je sais pas, on va faire les boxes d'études. Quand même espacer un peu. Si jamais s'il y a des gens qui sont bruyants, c'est toujours chiant. Hop. Hop. Et franchement, c'est une très belle salle déjà. C'est une très belle salle. Ah, le problème, c'est que là, je suis arrivé à 6, mais parce que j'ai pas retiré lui. Encore. Elle est à 6 quand même, c'est bien. Ici, faut penser à embaucher. Toi. Tada! Ok, bon là déjà, je suis quand même pas mécontent. Bon, j'ai vraiment abusé à ce niveau-là, mais vraiment dites-vous qu'après, si le campus on fait. Imaginez-vous, hein, j'achète tous les terrains autour. Bah, vous imaginez le nombre d'élèves. Donc forcément, ce campus, il faudra qu'il y ait de l'espace pour que les gens puissent dormir et tout. Donc franchement, là, ça paraît ridicule, mais je pense qu'à un moment donné, ça deviendra ok, ce que j'ai fait. J'espère. Peut-être. Ok, donc salle de tutorat. Là où toutes les heures sont comptées comme des heures de bureau. Prenez un enseignement individualisé. Ok, ça je vais le faire ici. Hein. Oh, les toilettes. Il n'y a pas de toilettes, la loose. J'ai vu un mec qui avait besoin d'y aller là. Je vais pas faire très très grand ça pour le moment par contre. Hop. Il est déjà placé. Ah, je peux en avoir qu'un seul? Mais c'est quoi? Bureau tutorat. Tutorat, pardon. Ah, mais en fait, la pièce est beaucoup trop grande, je pense, hein. Parce que je pensais qu'on pouvait quand même avoir plusieurs élèves, même si c'était personnalisé et tout, mais non, pas du tout. Donc, non, c'est ridicule. Hop, on va enlever ça. Bon, je vais laisser comme ça, parce que sinon, ça va être vraiment ridicule niveau taille, mais.
Mais franchement, il n'y a même pas besoin d'autant déjà. Après, il faut un petit peu d'espace, que les gens se sentent bien. C'est trop grand. Ok, et là, il faut quoi? Il faut qui là-dedans? Il faut qui là-dedans? Il faut lui, tutora. Tac. Il me faut des toilettes d'urgence. Je vais accélérer un peu le temps. On n'a pas trop regardé quand même les enseignements, hein. J'avoue que je suis à fond dedans là, je suis désolé. C'est la création au début, donc lui ok. Et avec sa grosse pelle, on n'a pas l'impression d'avoir des cuistots là quand même. Hein. Ça a l'air stylé quand même leur petite machine là. Mais je suis en slow, bon lui il fait vraiment le job. Hein. C'est le seul qui cuisine ici d'ailleurs. Attendez, voyons voir. Ah non, d'accord. Ah oui, c'est un beau gâteau qu'ils font. Ah oui, bon bah c'est... Oui, effectivement, c'est de taille, hein. Les mecs, ils bossent bien. Il y a le mécano au milieu en mode... Allez hop, on va régler ça. Il y a un problème, les gars. Bénéfice mensuel. Oula, pas bon ça. Ouais, après, est-ce que c'est parce que... Attendez, on va vérifier. Ouais non, les bénéfices, ils sont bons. C'est juste que... C'est moi qui ai dépensé beaucoup d'argent, mais je pense que c'est bon. Le tutorat, il va se faire tout seul, de toute manière. Mais il va me falloir des toilettes. Ouais, c'est ça, je viens de le revoir, lui. Des toilettes. Franchement, les toilettes, pas besoin d'être immenses, donc... presque, je pourrais les... Oh, c'est abusé si je les cale là, mais franchement, je pourrais les caler là, hein, vous savez. C'est une deux fois, hein, donc deux par un. Regardez, on fait un truc là. On optimise, on fait les toilettes comme ça. Je vais te dire, je vais en caler des toilettes, hein. Regarde-moi ça. Petit savon. On va essuyer les mains plutôt du côté gauche vers la sortie. Ah non, je pourrais pas. Bon bah du côté droit, ce sera très bien. Écoutez, hein, on peut pas tout avoir. Hein. Bon, la poubelle, y a des poubelles à l'extérieur au pire. Hein, quelque part. Là. Oh là là. Ah, j'ai oublié un truc. Ah bah oui, la porte. Il y a un problème au niveau de la porte. Là. Tada, les gens vont être contents. Le tutorat, personne n'y va là. What? Ah mais du coup... Vous savez que j'avais pas capté ça aussi. Selon les cours qu'ils présentent, ils avaient carrément... genre ils ont un truc au niveau de l'estrade et tout. Mais what? Avec le petit affichage, j'avais même pas capté sur le premier épisode ça. Donc selon l'amphi fixé, ils ont quand même des changements aussi visuels à ce niveau là. Hein. Tuition fees are expensive, and education is priceless. Ok, bon bah écoutez, ça commence à être pas trop mal. Éventuellement, je pourrais recruter de nouveau. Alors toi, t'es quoi? Discours d'encouragement. Motive les étudiants à travailler plus dur. Toi, franchement, tu m'as l'air plutôt compétent. On va te rajouter ici. On va mettre directement quelqu'un d'autre à la bibliothèque. Et les concierges, surtout, il est tout seul, le pauvre, depuis tout à l'heure. Bon, après, autant c'est grand, autant il n'y a pas non plus tant d'élèves que ça. Donc je pense pas que ce soit utile d'en engager encore d'autres pour le moment. On va voir. Terminé un tutorat. Il est en train de lui enseigner comment ça fonctionne. Petit cours privé. Le tableau était utile. Ok, construisez un syndicat des étudiants. Mais attendez, mais what? Embaucher un employé assistant. Syndicat. Donc c'est ça. Ça va être pas dans bâtiment, pas dans logement. Je vérifie en même temps si j'ai oublié des salles. Amphi. Ah, c'est là. Bon, bah en fait, c'était dans... Ça, c'est dans quoi? Installation. Ça, c'était tout là-haut. Syndicat des étudiants. Il y a de la place là-bas. C'est une 3x4. 3 par 4. 1, 2, 3, 4. Ça se fait en vrai. Bah même plus. Hein. Attends. Ah c'est chiant, ça me ferme le truc là à côté. Vas-y, on va le mettre comme ça. Est-ce qu'on est content? Ah ouais, tu parles d'un syndicat. J'appelle ça un bar, moi. Ah ouais.
Ouais. On connaît, ouais. Faire semblant de bosser, tout ça. Allez, let's go. Let's go, let's go. Alors par contre, il me reste 30 000 dollars. Là, j'ai besoin réellement d'argent. J'ai vraiment besoin d'argent. Moins 5 000. Aïe, 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 aïe. Le problème, c'est les salaires. J'ai engagé trop de monde d'un coup. Il n'y a pas assez de frais. Ouais, non, mais là, je vais continuer de perdre de l'argent. Il me faut embaucher encore un assistant. Non, mais par contre, là, il rigole. Il rigole tellement. Il y a déjà ce qu'il faut, c'est juste qu'il veut que je l'embauche, mais... Bon, la première année est bientôt terminée, ce qui veut dire que je vais avoir 10 élèves en plus, peut-être même 20 si jamais j'ai un deuxième cursus en parallèle. Donc, techniquement... Techniquement, je vais réavoir un peu plus d'argent. Mais d'ici là, ça va être très compliqué. Et heureusement que j'ai le bonus XP, hein. Alors... Une fête du syndicat des étudiants programmée. Terminer un événement, fête du syndicat des étudiants. Comment je le programme? J'avais vu, bah tiens, justement, en début. Emploi du temps, créer un nouvel événement. Concours culinaire universitaire. C'est stylé de ouf. Ça m'intéresse beaucoup plus que leur vieille fête, là. Moi, je vais faire un concours culinaire. Récompense 2 000 dollars. C'est quoi? Cherche toujours la meilleure gastronomie étudiante, elle visitera notre campus pour donner à nos étudiants l'occasion de gagner le prix du concours culinaire universitaire. Mais moi j'ai envie de le... En fait je sais pas si on va voir le truc, genre l'événement, ou pas. Ça c'est un coût par contre l'événement. Après lui il me rapporte plus qu'il me coûte si ça se passe bien. Lui c'est juste le bonheur et tout, mais j'ai pas d'argent les gars. Vas-y on va programmer. On programme ça pour quand? Juin? Juin il se passe quoi? Juin il y a des cours les gars. On va programmer pour la fin d'année, ok? Ce sera vraiment la fête de fin d'année. Réserver événement. Ah, en vrai, ils sont tellement nazes mes élèves à mon avis. Ça sert à rien que je fasse l'autre event. Mais j'ai quand même envie de le faire. J'ai quand même envie de voir ce que ça va donner. J'ai tellement pas confiance en eux. Mais ça passera pas. Non, il n'y a pas assez de temps. Non, il n'y a pas assez de temps. On verra l'an prochain. Yes. Non, mais genre, annule, t'inquiète. Tous les paramètres seront perdus. Ouais, ouais, t'inquiète. On fera ça, on fera ça. Vas-y, comme ça on termine l'année avec la fête et j'espère que l'année suivante tu vas commencer à gagner un peu plus d'argent maintenant. Parce que sinon, sinon faudra juste que je vire des gens. Hein. Hop, on va mettre ici. Ok les amis, c'est la fête, regardez. Regardez comment ils profitent ici. Vraiment, vraiment ça bosse dur. Hein. Bon, deuxième année, j'espère qu'on va débloquer un nouveau programme bon, qui sera lié à la gastronomie, hein, j'imagine. Ce serait sympa, comme ça on va rester encore une fois dans le thème. Bon, en attendant, ça aura répondu à ma question hein, que je me posais au premier épisode. Chaque campus va être effectivement spécialisé dans quelque chose, mais ce quelque chose qu'on va débloquer, on pourra ensuite l'utiliser ailleurs. Et on pourra en fait avoir tous les campus qui feront tout à terme. Parce qu'on peut réutiliser les choses qu'on a déjà débloquées. Ah, il voulait un banc, lui, attendez. Vas-y, je te mets un banc. Hein. Attends, c'est un peu naze, mais là, il va y avoir le... La prochaine année, là, qui arrive. Vas-y, on va regarder ça. La fête a été un véritable succès. Ça fait des jours que je n'avais rien vu de tel. Ouais, ouais, ils ont dû apprécier, tu m'étonnes. Alors, le moment est venu de cuisiner un peu de douceur. Un grand chef doit être aussi à l'aise avec des plats sucrés que salés. Vas-y, dis-moi tout. Cuisine sucrée. J'avoue, au début, en vrai, ils nous ont dit cuisine salée, donc c'était prévisible. Ah, j'ai fait un petit peu de bénéfice. Afficher les prix. Oh là là. Ah, je vous avais dit que taux de réussite 90%. Continuation, il n'y en a que 9 qui continuent. On a eu un échec. Ah non. Résultat d'examen moyen, 71%. Ok. Ok, ok, ok. Un nouvel événement débloqué, comédie. On verra ça. Les événements, c'est cool, je trouve, parce que... En fait, bah là, la fête, on la voyait. J'espère que même les compétitions et tout, on va les voir. J'ai envie de... C'est le mec, il est en mode tryharder sur un jeu comme ça, vous savez. J'ai envie de faire gagner mes élèves et tout. Alors, gérer les formations. Ah oui, mais attends.
Moi, je veux le débloquer la... Ah, mais c'est juste gastronomie, du coup. Genre la cuisine sucrée, là, c'est où que je l'ai? J'ai rien d'autre à débloquer, on est d'accord. J'ai rien à débloquer, là. Cuisine sucrée, prérequis du campus. En fait, c'est là-dedans, directement. Ah ouais, mais j'ai pas l'argent. Ah, mais là, je suis... Ah, je vais faire un emprunt, je pense. Je suis dans le mal, là. Et ça y est, je vais bientôt... En tout cas, j'ai l'objectif pour arriver à une étoile. En tout cas, ils ont bien fait leur jeu, hein, parce que ils ont bien mis le... Comment ça s'appelle? Le campus des sorciers. L'école des sorciers, ils l'ont bien mis à la fin du jeu, histoire qu'on soit obligé de bien tout farmer pour y arriver. Ils savent bien que c'est le truc qui donne le plus envie, vous savez. Ouais, non, j'ai pas le choix, je vais devoir faire un emprunt, les amis. Je cherche où c'est, hein. Je sais qu'il y en a, voilà, c'est là. Quantité totale, 100 000. Ou alors 250 000, mais là je paye 15% par an. En vrai, 100 000. Si je fais pas le boulet, ça suffit. Parce qu'après, sinon, je vais prendre cher. Il y a 50 000 aussi, mais non, je vais prendre 100 000, je pense. Ok, on est bon, les amis. Allez. Donc. Cuisine sucrée. On va la mettre ici à côté ou là? On va la mettre là comme ça. Hop, 6 par 5, en plus c'est parfait. C'est pile la taille qu'il nous faut. Oh là là, on dirait que ça a été fait exprès. Et que dis-je? Ça a été fait exprès. Ouais, tellement fait exprès qu'on a tellement pas de place pour mettre leurs trucs là. Leurs machines, elles sont énormes à chaque fois. Ouais, après on retrouve un peu les mêmes choses qu'on avait à côté, a priori. Sauf que normalement c'est censé être de la cuisine sucrée, les gars, mais... Fait penser quand même à du sel, est-ce qu'on en a? Enfin bon. On va monter un petit peu le prestige. Alors on va le monter tout juste à 2 et puis c'est bon. Hein. On va commencer la nouvelle année. Ouais, commencer la nouvelle année. J'aurais pu éventuellement... Ouais mais non, 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 j'ai pas d'argent, vas-y, on spécialise. Pour me faire un peu plus d'argent, ce que j'aurais pu faire, c'est acheter un autre terrain et refaire un petit peu, vous savez, le côté scientifique, réalité virtuelle et tout ça, le faire ici. Comme ça m'aurait rapporté de l'argent supplémentaire, ça n'empêche pas que la spécialité elle soit toujours là. Mais le problème, c'est que ça demande un investissement aussi supplémentaire au début, donc... table de salle à manger. Ça peut être sympa, mais en plus le côté resto et tout, non, je comprends. Je comprends, mais où est-ce que je la place? C'est quoi la salle pour le placer? Ça se met dehors ou ça se... Attendez, là, je suis où là? Est-ce que ça se met dans une des pièces là-bas? Vous savez que je sais même pas où ça se met. Ça se met où ce truc là? En fait, moi je l'aurais bien vu dans un de leurs cours là, mais non. Ça se met où cette table? Ah, et puis va la retrouver maintenant. Soit ça, soit dehors quoi, mais a priori dehors ça marchait pas non plus. Hein. Attendez, c'est peut-être là. Je peux rechercher, attendez. C'est pas ici. Où c'est? Je sais pas où c'était. Je sais même pas où c'était. Tant pis, hein. Bah, tant pis pour le truc, hein. Ah, il parle de club. Étagère du club de la sieste. Étagère du club de marche rapide. Alors, attendez, c'est quoi les objectifs? Club sandwich. Placez un élément, étagère de club. 3 étudiants rejoignent votre club. Enfin, vos clubs. Ok. Sélectionnez le menu des éléments. On va taper club. On fait un club de quoi? Dormez mieux, plus vite, plus profondément. Club de marche rapide. Non mais vas-y, hein, le club de la sieste, ça me paraît bien. Ça, ça se met où? Là, direct à l'extérieur en mode rejoignez notre club. Vas-y, je crois que c'est ça.
Ouais, il y a un petit truc d'inscription et tout. Rejoignez le club avec les petits moutons et tout. Venez dormir. Attendez, moi j'aimerais bien voir les cours de... Les petits cours de cuisine ici, là. La cuisine sucrée. Bon, ça, ça va se faire tout seul, le club sandwich. Ensuite, une étoile. Qu'est-ce qu'ils veulent? Étudiants ayant terminé leur tutorat. Ouais, après, j'avoue qu'il faut un parent, donc bah, ça va se faire sur l'année, hein, les gars. Valider des cours gastronomie avec une note de B. Ouais. Après, j'ai l'impression que j'ai pas non plus les meilleurs des élèves. Oh. Allez, hop, on s'inscrit. Forcément, le monde attire le monde. Lui, derrière, il a vu que hop, ça avait l'air intéressant. Il y a des gens qui ont l'air intéressés pour s'inscrire. Par contre, est-ce que ça impacte vraiment sur la suite ou est-ce que c'est juste en mode « Ok, c'est un club et super ». Voilà, tout le monde va s'y inscrire, ça va être incroyable. Allez, ça c'est réglé. Et gagner un concours culinaire. Bah justement, je voulais faire l'event. Oh, trop bien. Quoi, je perds encore de l'argent? Non. Mais non. Non, 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 je perds pas d'argent. Alors attendez, ça se place où? Table de salle à manger. Oh non, j'ai... Lentement, mais sûrement développé des Indiens. Je veux juste la placer, les gars, moi. Peut-être que j'ai juste pas encore la salle, hein, simplement. Il y aura peut-être une salle... Bah genre un réfectoire, en fait, tout simplement. J'en ai pas. Pas mettre dehors ni rien. Non, j'ai pas la salle, hein, je peux pas le faire. Bon, bah tant pis, hein, je le rejette, hein, je peux pas le faire, je suis désolé. Oh. Mouton fatigué. Club de la sieste éclair. Ok, c'est le club de la sieste qui veut que je lui place ça maintenant. Trois personnes sont d'accord. Bien évidemment, on va vous placer ça, les gars. On va vous mettre ça juste à côté, bien sûr. Ça passera jamais. Ah non. C'est vraiment un appel à venez dormir, quand même. Hein. Que je sais vraiment pas où placer. Oh, où est-ce que je leur place, leur truc, là? Leur truc tout nul, là. Incroyable. Attendez. C'est vrai que je pourrais le mettre en plein milieu, on a le droit. Hein. Et franchement, en plein milieu du couloir, c'est très bien, hein. Mais sinon, je comptais décaler la porte, mais en fait, je vais pas pouvoir avec ça. Si à gauche, je peux la décaler. Clac. Bon, c'est un peu ridicule parce que je pense que c'est plus un truc pour attirer l'œil, pour que ça fasse penser aux gens, tiens, venez dans notre club et tout. Donc le mettre juste à côté de ça, je pense que c'est pas le plus utile. Ok, là, on refait un petit peu de bénéf. Mais voilà quoi, il faudrait vraiment que je gagne le concours culinaire. Gagnons le concours culinaire. Allez, on va créer un événement. Oh, regardez tout ce qu'il y a. Il y a la fête du foyer. Comédie, c'est quoi? Récompense du bonheur et du divertissement. Prérequis, un pupitre. J'en ai un dans une salle. Ouais, mais moi, je veux me faire de l'argent. Allez, gagner un concours. Niveau d'étudiant recommandé, niveau 4. Ah. Quand ils disent niveau 4, c'est genre... Non, ça peut pas être la quatrième année, c'est pas possible. Comment je vois les niveaux? Attendez. Mais il est niveau 8! Oh mais non, mais attendez, c'est easy. On va se faire rouler dessus, vous savez. Ok, créer l'événement. Concours culinaire. Programmer l'événement. En fait... On va le faire quand il n'y a pas de cours, par contre, hein, les gars. Vous n'allez pas y échapper, là. Ça s'est mis dans l'emploi du temps, c'est trop cool. J'aime bien ce système d'emploi du temps. Mais ouais, ce campus-là, en fait, il est focus pour les événements et tout ça, j'ai l'impression, pour nous apprendre un petit peu tout ça. J'ai toujours pas vu de cours sucrés, par contre. Les gars, c'est quand, les cours sucrés? Ah, mais c'est là. Oh, c'est qu'en janvier où je vais les voir. Il n'y en a pas eu avant, en fait. La cuisine sucrée, il n'y a pas eu avant. En janvier, faut pas que je les loupe, hein. Vas-y, on va accélérer un peu. Dès qu'on arrive là, j'aimerais bien voir où c'est. C'est un concours pour la cuisine salée, hein, de toute manière, donc ça va, normalement, ils sont rodés là-dessus. Ok, les amis, il va y avoir le concours culinaire. Ça y est, d'ailleurs, il commence. Ah, c'est là. Ok, les gars, vous êtes les meilleurs. Ok, vous allez gagner, ok. Je veux que des vainqueurs dans mon école. On accélère un peu. Hein. Ah mais pourquoi ça se met au ralenti des fois? Mais je crois que c'est quand des fois je stoppe
le record et que je le relance, je crois qu'en fait c'est une touche qui change la vitesse. Je crois que c'est ça en fait. Donc je fais pas gaffe des fois et... Attendez, mais vous, vous faites quoi en fait? C'est un pierre-feuille-papier-ciseau ou... Pierre-feuille-papier-ciseau, je crois qu'il y avait un truc en trop là. Ça va. Feuille et papier. Assistant nécessaire dans la salle de syndicat. Ouais, on verra plus tard. Il y en a deux qui ont été validés, hein, trois, c'est bon. Ça veut dire c'est win ou pas du tout? Beau travail! Vos étudiants ont gagné le concours culinaire universitaire, c'était du gâteau. Oh là là. Par contre, ça commence à être un peu dégueu ici, faut que j'embauche. Ok, GG les gars en tout cas. Il me rapporte de la thune. ouais, faut que j'embauche, mais le problème c'est que... Pas trop d'argent, vous savez. Pas trop d'argent, tout ça. Menu du chef. J'avoue que c'est stylé pour leur formation. Pour leur mettre un petit truc comme ça juste devant les deux entrées, là, ça peut être stylé. Bon, par contre, pour l'instant, je trouve que ce campus a moins de style que l'autre. Mais bon. Valider des cours gastronomie avec une note B. Ouais, janvier, il va y avoir l'autre cours aussi qu'on veut voir. La fête du foyer. Oh là là, les gars. Vas-y, ils vont être contents. De toute façon, il faut pour le bonheur. Donc, vas-y, je vais la faire. Les gars, ce sera la fête du foyer. Alors, par contre, n'abusez pas, ce sera pas en janvier pendant les cours. Hein. Ce sera début février quand il n'y a pas de cours. Non, parce que je les connais, mes élèves. Hein. Je les connais. Toujours une bonne occasion de sécher. Taux d'hygiène moyen, 75% accepté. L'inspecteur de la santé au travail nous a mis au défi d'améliorer notre note d'hygiène. Je pense que ça va monter avec celui que je viens de rembaucher, non? Alors en revanche, ce qui me fait peur, c'est que si on conserve l'argent d'un campus à un autre, il va peut-être falloir que je retourne dans le premier campus pour me refaire de la thune. Parce que celui-ci... pas trop ça pour le moment. J'avoue que là, il y a du monde en fait qui fait rien là. Ils discutent entre eux et tout. Faudrait que je leur mette des trucs pour avoir des interactions quoi, mais. Je veux pas leur mettre ça en intérieur. Bon, ça ressemble pas à grand chose quoi. En fait, ils veulent pas aller profiter de l'extérieur, j'ai l'impression. Je reconnais que c'est moins sympa que. Ah, ça y est! C'est moins sympa que l'autre campus, mais quand même. Oh! Ok, bon, eux, on a déjà vu un petit peu, de toute façon. L'hygiène est en train d'augmenter, non, ça redescend. L'hygiène, est-ce qu'il manquerait pas déjà des poubelles, pour commencer? Parce que finalement, l'hygiène, ça commence par là, déjà. Petite poubelle ici, on a une poubelle là-bas. Il manque là-bas ou pas? Non, il y en a déjà une là. Il y en a à l'intérieur? C'est tellement vide ici, il faut vraiment que je m'occupe de ça. Voilà. Les petites poubelles. Ça va aider à l'hygiène. Il faudrait que je recrute encore. Terminé 3 missions. Après, c'est les boîtes à suggestions, mais ça, je sais pas si ça me donne... Ah si, ça doit être l'XP bonus. Ça doit être avec ça, donc j'ai de l'argent aussi. Moins 4000. Poste de mixage. C'est pour la cuisine sucrée. J'ai envie de le débloquer. J'ai envie de le débloquer pour eux. Tenez, les gars. La cuisine sucrée, au moins, ils auront un petit truc. Par contre, ah ouais... J'ai plus du tout de quoi débloquer des nouvelles choses. Oh, le gâteau! Ah ouais, il a step up un peu depuis la dernière phase que j'ai vue. Hein. Ok, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal, donc là, en vrai, pour moi, il faut que je regarde déjà le personnel. J'en ai trop. J'ai trop de personnel. J'ai trop de personnel. Là, déjà, ici, on en a trois. Franchement, il y en a un de chaque, plus un roulement, éventuellement le... L'amphi, je trouve pas que ce soit trop. Regardez, le bonheur, l'énergie, ça tient pas, là. Je peux pas en avoir moins que 3, en fait. Là, c'est pareil, regardez l'énergie et tout.
Peut-être que la salle de repos, surtout, j'aurais peut-être pas dû la mettre si loin. On prend note de toute façon pour les prochains campus à chaque fois. Je suis obligé de garder. Franchement, je peux pas. Je peux pas vraiment virer qui que ce soit. Hein. Le tutorat, il y a que lui qui le fait en plus. C'est ça, il y a le tutorat aussi en plus. Hein. Genre, ils se rendent pas compte. Comment je suis censé faire moi? Non, mais je pense que j'étais tout simplement censé faire d'autres formations en plus de la mienne. Je pense que j'aurais pas dû spécialiser ce campus juste avec une formation. Je pense que tout vient de là, et j'aurais eu plus d'argent si j'avais fait avec un peu plus. C'est la fête du foyer, ça. Ouais, forcément, ça a dû augmenter un peu le divertissement moyen. Au niveau du divertissement, ici, je peux augmenter le prestige aussi, ils vont être contents. Divertissement. J'ai envie de rajouter que des trucs comme ça, mais je pense que juste le prestige du foyer, ça devrait suffire. Et dans le doute, on va rajouter essentiellement des jeux, comme ça, on pourra pas dire que c'est pas du divertissement. Là, je vais te dire, ils vont pouvoir jouer les mecs. Hein. Bon, par contre, on va commencer à manquer un peu de place. Ouais, divertissement, vous voyez, c'est bien marqué là-dessus. Hein. Ok. Ok, divertissement moyen, on n'est pas si mal, donc faut juste valider les cours. En vrai, mon étoile, je vais l'avoir, donc je pense que je pourrais quitter quand même cet endroit, même si c'est pas super bien déroulé. Mais faut que je réfléchisse pour le prochain. Oh, merci. Pour la récompense par rapport à l'hygiène, ça c'est plutôt... Ah non, c'était pas l'hygiène en plus. C'était pas l'hygiène du tout, parce que l'hygiène s'est dégradée. Mais ouais non, le prochain campus, honnêtement, faudrait que je vérifie... Je réfléchisse à bah, potentiellement... potentiellement, je vous dis, faire d'autres formations que celles qui sont spécialisées là où je suis. Inspection en cours. Non mais tout va bien hein, les gars. Tout va bien, tout va bien. Parce que là, le problème, c'est que j'ai aucun autre moyen de me faire de l'argent que en ayant bah, des élèves. Et les élèves, bah, je peux pas en avoir plus tant que j'ai pas plus de formation finalement. Après, je me suis fait avoir parce que je pensais vraiment que la deuxième année, on allait me proposer une autre formation à déverrouiller, vous savez, alors qu'en fait, pas du tout. Donc, je le saurai pour la prochaine fois, c'est pas grave, hein, il n'empêche que, bon, bah là, au moins, on a vraiment spécialisé le truc. Mais la prochaine fois, on fera autrement. Après, c'est pas évident parce que ça aurait voulu dire ici, faire une autre salle et tout ça, parce que j'aurais pas pu débloquer une autre partie du campus spécialement pour ça, j'avais pas l'argent. À moins de faire un emprunt dès le début et de le rembourser ensuite. C'est pas forcément bête non plus, mais bon. Allez, les amis, il faut juste que j'arrive à rester à 72% de divertissement moyen et qu'on ait encore une note. Une note de gastronomie. Et ça va se valider. Donc là, il y a les prochains cours en mai. On va attendre le mois de mai et normalement, ce sera bon. Là, avec le bonus, je m'en sors quand même niveau argent. Je suis quand même en positif. Hein. Je suis quand même en positif, mais c'est tendu, quoi. What the fuck? Une pluie de grenouilles sur le campus? What? Par contre, au niveau du bonheur, ce que j'avais pas lu aussi, c'est que... Ok, s'ils sont heureux, ils apprennent plus vite, ils obtiennent les meilleures notes. Par contre, les mécontents, ils peuvent refuser aussi de payer leurs frais universitaires. Ça, c'est pas fou. Après, c'est parce qu'ils abandonnent. Mais ouais. Bon, 63%, c'est déjà ok, hein, mais... Allez, j'espère juste que là, au niveau des notes, ils vont avoir au moins un B. Ah, il y a eu un A, là. Ah non, mais c'est le tutorat. Il y a pas eu de B. Ah non. Ah si, c'est bon. Ok, donc maintenant, il faut juste que le divertissement remonte à 70% et on peut se tirer de ce campus. Bon, j'avoue que ce campus, j'ai trouvé un peu moins palpitant que le dernier. Après, il faut avouer que bon, j'avais mal compris, je pense, la problématique du fait de ne pas avoir fait les autres formations. Mais d'une manière générale, je trouvais ça moins agréable, l'environnement aussi. J'aime bien le côté, justement, avec la végétation et tout qu'on avait dans l'autre. C'était assez sympa, je trouve. Donc
Donc ouais, là j'étais un peu moins motivé, on va dire, enfin un peu moins... pas motivé, mais inspiré, on va dire. J'aimerais bien tricher un petit peu, à faire la fête du foyer, à programmer l'événement. On va le mettre là pendant les cours, hein, je m'en fous totalement. Vous avez profité pendant les cours, les gars. Que là, s'il y a la fête du foyer, je débloque mon étoile un petit peu en trichant là. Et après, je peux partir sur le prochain. J'essaierai de le faire un peu plus proprement. En tout cas, c'est sûr que je pense que ce campus, j'y retournerai pas. Ou alors, il faudra vraiment que je reprenne proprement. Parce que j'avoue qu'il a l'air quand même assez grand une fois qu'on débloque tout, donc ça donne envie d'y retourner pour faire un truc vraiment plus propre. Mais ouais, je suis pas inspiré ici. Donc je pense que celui-là, c'est celui que je vais laisser un peu de côté. Autant le premier, je pourrais y retourner, autant celui-là. Si là, je prends mon étoile et. Et je m'en vais sur le prochain campus, hein. Ah, par contre, les sorciers, j'ai trop trop hâte. Je vous jure, les sorciers, je vais être motivé, mais à 2000%. Hein. Par contre, là, ça me fait pas rire, les gars. Vous êtes montés à 62%, là, c'est tout. Allez jouer, là, un peu, là. Divertissement moyen, mais à un moment, là, faut se divertir, les gars. Ah, mais vous savez quoi, le divertissement, il aurait peut-être fallu que je mette des trucs ici aussi et tout. Après, qu'est-ce que je peux mettre pour du divertissement ici? Ah, peut-être ça. Dans les couloirs, non mais il n'y a plus aucun respect. Ah, il n'y a vraiment aucun respect si je fais ça. Je le fais totalement. Je le fais totalement. Allez jouer. Allez jouer, les élèves. Ils vont y aller ou pas? Non, ils y vont pas. Hein. En même temps, ils ont peut-être des cours. Mais là, il n'y en a pas en plus. Bon bah écoutez, on va laisser défiler, on va arriver à la prochaine année. Ça va être l'occasion de remonter un peu l'économie. Meilleurs amis. Ouais mais en fait le problème... Ah c'est trop stylé par contre ce que tu me proposes. Mais j'ai pas assez pour te débloquer ici. Enfin, j'ai plus grand chose quoi. Oh, c'est 3 millions par contre. Ils sont pas obligés de mettre des petits cœurs à chaque fois partout. Mais sinon c'est assez mignon. Je reconnais. Je reconnais. Mais j'ai envie de réorganiser prochaine année un... Des petites fêtes par-ci par-là et t'inquiète que ça va y aller. Hein. Allez, affichez les prix, attention à la catastrophe. Oh, ça va? Taux de réussite 100% en vrai. Taux de réussite 100%, c'est bien. Les résultats sont un petit peu augmentés. Ça va, c'est plutôt une bonne nouvelle. Hein. Est-ce que je débloque autre chose? Sachant que pour utiliser notre formation, il faut quand même que je la commence en payant avec les points de formation là. Frais universitaire moyen. Franchement là ça se paye pas mal mais bon. Oh, j'ai envie de vous dire on va réussir à gérer sans ça. J'ai peur que ça descende trop le. Vous savez le bonheur moyen en fait. Genre pour ma quête, là, j'ai peur que ça. Le divertissement moyen, pardon. Vas-y, on va le commencer comme ça. Dans tous les cas. Prérequis. Ça y est? Oh, je l'ai eu! Oh là là, je l'ai tellement volé cette étoile. Bon, on a le nouveau campus qui a l'air stylé. Oh, par contre, le prochain a l'air incroyable. Il a l'air trop beau. Ah, le prochain campus, je pense qu'on va pouvoir faire un truc propre là. Ok. Bon, on va direct sur la carte. On oublie ce qui s'est passé là. On oublie ce qui s'est passé là. Oh, regardez le petit chevalier et tout. Je veux juste aller voir le thème. On va aller voir le prochain thème. Attendez, on avait déjà vu le... Ah non, on avait vu le thème des chevaliers qui étaient en dessous, mais pas le thème là-haut. C'est horrible ce qui se passe ici. Est-ce que l'argent... 54 000, voyons voir. Ah, et 300 000. Donc non, l'argent n'était pas le même... C'est juste qu'on commence avec moins d'argent, forcément. Donc ça, c'est quoi le thème? L'université historique cherche une personne capable de la mener à l'époque actuelle en inaugurant un campus moderne sur ses terres saintes. Donc ça va être un truc d'histoire? Ok, on va voir. C'est quoi le petit logo en bas là, le petit... Je sais pas ce que c'est ça. Je sais pas à quoi ça correspond, on verra. Bon bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. On aura pu en tout cas en voir un petit peu plus sur les mécaniques de gameplay au niveau du jeu, notamment eh bien, les événements. Hein. Je pense que c'est vraiment le côté majeur. On aura mieux compris aussi, je pense, comment se développer. Je vais essayer d'apprendre de mes erreurs pour le prochain campus. Finalement, le premier s'est super bien passé en mode
La chance du débutant. Non, en vrai, c'est super bien passé. Le premier, j'avoue, et le deuxième. Voilà, le deuxième, c'était un peu plus compliqué, mais il n'empêche qu'on a eu notre étoile, on a pu débloquer l'autre, et c'est ça qui compte pour aller faire le suivant. Je me dis par contre qu'à terme, à un moment donné, il faudra bien que j'essaie de me stabiliser sur un campus et que je l'améliore à fond, quoi. Je pense qu'à un moment, j'aurai envie, ouais, parce que là, chaque campus, le but, c'est débloquer le suivant, mais au bout d'un moment, ouais, je pense que celui-là, en vrai, on va le développer, mais à 2000%, quoi. Il y en a encore un à gauche, là, je crois. Je sais pas du tout combien il y a de campus, les amis. Bref, bah écoutez, dans le prochain épisode, prochain campus. À très bientôt, les amis.